Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce que je réponds à Benjamin Code qui a fait une vidéo qui est juste là, les 5 jours codons une application, là, codons ensemble partie 1. Et en fait, il nous a lancé un petit défi qui demande de coder une petite application web. Alors du coup, moi, je suis plus expert dans les applications mobiles natives, donc du coup, j'ai voulu relever quand même le défi en faisant l'application en Kotlin Android. J'ai déjà codé le truc, ça m'a pris environ une heure, donc j'ai trouvé l'exercice assez sympa et assez marrant. Il nous a fourni justement, voilà, comme on peut le voir ici, la maquette qui est adaptée pour du web, donc je l'ai adaptée moi pour du mobile, d'accord, avec mon design à moi. Vous allez voir ce que ça va donner juste après. Donc du coup, voilà, c'était tout simplement, il y avait un petit header comme ça, avec des images et plein d'informations, donc c'était un écran vraiment vraiment très très simple. Il avait estimé lui de son côté le travail pour 3-4 heures, allez, une journée, parce qu'il est parti un petit peu plus loin, il fait des clics sur les boutons, moi j'ai pas fait tout ce genre de choses, il a fait plus d'animations que moi. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir sa chaîne, elle est vraiment vraiment sympa. Du coup je vais vous montrer moi ce que ça va donner. J'ai créé un projet ici sur Android Studio avec Kotlin, j'ai créé un sample avec une activité scrolling là, vous voyez, et on va tout de suite démarrer le projet et je vais vous montrer ce que ça donne, le résultat final. Et ben le voilà, voilà. Donc du coup j'ai une application mobile native avec, bah du coup je vais essayer de mettre juste derrière l'écran qu'il fallait coder, d'accord, et puis mon application que j'ai codée qui est juste là. Voilà, donc du coup ça ressemble un peu, hein, voilà, donc on a les images, on a toutes les informations nécessaires, j'ai juste pas mis le start juste là, parce que bon bah malheureusement je travaille aussi à côté, donc j'ai pas vraiment eu le temps de tout faire, enfin juste ça quoi, en fait, tout le reste je l'ai fait. Voilà, donc du coup j'ai marqué toutes les informations, les deux boutons ici je les ai transformés en action button, voilà, parce qu'on est sur une application mobile, et lorsque je scroll vers le haut, bah j'ai un petit fade qui fait disparaître les action buttons, pour voir le contenu qu'il y a juste en dessous, qui est juste là. Voilà, donc lui il voulait faire des animations juste là au moment où je scroll, je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps, ça aurait été super fun aussi de le faire, mais je l'ai pas fait. Je voulais aussi faire une petite animation quand je scroll, les trois trucs qui sont là, qui se superposent, voilà, au fur et à mesure que je scroll, j'ai pas vraiment eu le temps parce que ça prend du temps de faire ce genre de choses, effectivement. Donc en une heure, voilà ce que j'ai réussi à faire. Benjamin, j'espère que tu vas bien aimer cette petite app. Désolé de pas avoir passé un peu plus de temps pour jouer le jeu. Mais j'ai déjà quand même un peu joué le jeu, hein, puisque regarde, là, bah voilà, j'ai une petite application. Je peux même aller jusqu'en haut. J'ai fait la grid aussi, comme toi tu vas le faire aussi, mais en version web. J'ai fait aussi la petite grid. Ici, dans la maquette que tu nous as proposée, j'ai pas les images, donc je l'ai pas fait. Et j'ai juste mis un petit bord noir en bas, voilà. Donc voilà, j'ai pas les actions bien sûr sur les boutons, je l'ai pas fait parce que j'ai pas les liens de toute façon, donc ça servait à rien. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Benjamin Code, elle est vraiment très 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 bien faite et il parle vraiment de beaucoup de choses, donc c'est super sympa. Si pour vous le défi est relevé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et à activer la cloche pour manquer aucune de mes vidéos. Allez, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.